suis très heureux parce qu'après 25 ans de clandestinité, nous voilà tenir notre congrès publiquement avec la présence de beaucoup de monde, aussi avec la présence de beaucoup d'amis qui viennent du monde arabe, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Asie. Il va y avoir de vives discussions sur le programme que nous allons adopter pour faire face à l'élection de l'Assemblée constituante. Il y aura aussi des discussions concernant les nouveaux statuts du parti qui vont finalement mettre en œuvre les changements d'un parti de la clandestinité à la légalité. J'ai été très émue parce que c'est la première fois que le Parti communiste des ouvriers de Tunisie organise un congrès au grand jour, dans une salle grandiose et pas comme c'était le cas avant sous le régime de Ben Ali.